La relation qui voit une nouvelle page s'ouvrir avec l'inauguration de nouvelle ambassade. Les deux personnalités ont affirmé leur attachement aux valeurs universelles qui font toute la force de leur relation. Dans son intervention, le ministre britannique du Développement et de l'Afrique, André Michel, a déclaré que les deux États ont besoin d'une diplomatie agissante. Je voudrais dire un grand merci à vous, Votre Excellence, et à le gouvernement de Tchad pour tout ce que vous êtes en train de faire pour les pauvres qui sont arrivés. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et des Tchadiens de l'étranger, Mohamed Saleh An-Nedif, une diplomatie sur le monde à l'écoute des sociétés civiles. Défi également humanitaire, et c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes ici, c'est que nous avons près de 2 millions de réfugiés qui viennent dans des populations, elles-mêmes sont démunies. C'est vrai, il faut s'occuper de ceux qui viennent, mais il y a une population autochtone qui a partagé tout ce qu'elle a avec ceux qui viennent. Le Tchad et le Royaume-Uni ont besoin de perspectives, de coopération et de travail en commun.